Clap, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui n'est absolument pas putaclic, même si j'ai bien conscience que ça a l'air fou. Mais je vous promets que dans cette vidéo, on va faire du scooter sous-marin. C'est absolument n'importe quoi. Vous savez peut-être que j'ai fait une vidéo en sous-marin sur l'île de Curaçao. Et sur cette île, il y avait une autre activité qui était complètement folle et que j'ai absolument voulu faire. C'était le scooter sous-marin. Et cette expérience était clairement complètement folle et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. J'ai placé un micro à l'intérieur du scooter sous-marin pour pouvoir commenter ce que j'étais en train de faire. Sauf que j'ai mal réglé le micro et que ça sature un petit peu. Donc le son est dégueulasse. Mais l'expérience est tellement dingue que je me suis dit il faut quand même que je propose cette vidéo parce que c'est fou et que j'aime beaucoup les expériences qui sont de type n'importe quoi. Je rappelle aussi que comme la vidéo sous-marin, cette vidéo est financée par une vidéo sponsorisée qui arrivera dans quelques jours. Et donc quand vous la verrez, vous vous direz ah d'accord, c'était ces deux vidéos là qui ont permis, enfin voilà, ok. Je vous souhaite mesdames et messieurs à toutes et à tous un excellent visionnage. 1 2 1 2, bonjour, on se retrouve à un autre moment, à un autre endroit avec un autre t-shirt. En fait quand j'ai préparé cette vidéo et que j'ai commencé à discuter avec des gens et qui m'a dit écoute, si tu viens à Curaçao, un des meilleurs trucs à faire en vidéo, un des trucs les plus ouf, des trucs les plus drôles, des trucs les plus WTF, coupé décalé, c'est Aquafari. Au début le jeu de mots m'a pas enchanté, Aqua, Safari, tout ça, je me suis dit c'est mal choisi. Mais l'activité est totalement folle. C'est un putain de vélo sous-marin ou un scooter sous-marin, je ne sais pas vraiment ce que c'est extrêmement étrange, je vais vous présenter l'objet. Mais en gros, t'es sous l'eau, dans une putain de bulle, avec un espèce de scooter entre les mains, et tu peux aller absolument n'importe où. C'est complètement fou. Du coup on va faire ça maintenant, grâce à la personne dont j'ai oublié le nom. Je pense qu'elle ne regardera pas cette vidéo, donc elle sera pas trop fâchée. Et voilà, regardez. Voilà, c'est ça. Vous voyez le petit vélo ici? Vous le voyez, cet homme a l'air quand même hyper heureux. Donc voilà, c'est parti, on va faire un petit tour de scooter vélo sous-marin. C'est une journée normale en même temps. Regardez-moi ça, ils viennent juste de les installer. Donc c'est des scooters sous-marins. C'est n'importe quoi ce truc. Je vais chevaucher cet engin. Si je me suis bien renseigné, c'est le seul endroit au monde où ça existe. Et c'est vraiment n'importe quoi, on est d'accord ou pas? Il y a une bouteille d'oxygène à l'avant, un guidon, une hélice, heureusement faut pas pédaler, je suis sauvé. Et un petit guidon avec un accélérateur qui est là. Une bulle, et j'ai juste à passer ma tête, c'est pas hermétique, donc c'est assez... Ça fait un peu flipper quand même. Parce que ça a quand même à 10-15 mètres cette merde de profondeur. Voilà. Et comme j'ai pas du tout mes niveaux de plongée, je ne sais pas comment remonter. Tu peux pas remonter comme ça en plongée, faut faire des paliers, tout le bordel, moi je sais pas faire ça. Donc on verra. En tout cas ça va faire des vues, donc ça c'est le principal. Bon, en fait le truc, j'aimerais bien que vous ayez mes réactions. Du coup je vais essayer de mettre un micro à l'intérieur, mais forcément il y a de l'eau, du coup j'ai très peur. Du coup j'ai emballé mon micro dans du plastique. Je suis pas sûr de ce que je fais, mais je le fais quand même. Ok. Ok, il fait approximativement 37 degrés à l'intérieur, un vrai plaisir. C'est ça qui est bien avec YouTube, c'est qu'on fait des trucs de ouf, mais on reste avec du scotch et des vieux micros à 50 euros. Voilà, je pense que ça va tenir, on verra bien. Bon, et ben, je vais rentrer dans ce magnifique scooter. Et là en fait je savais pas, mais la bulle est complètement remplie d'eau. Il y a mon micro dedans, dans un sac en plastique. Autant vous dire que j'ai perdu quelques euros. C'est pas grave, c'est les risques de YouTube, il faut prendre des risques pour faire des belles vidéos. Sous l'océan, sous l'océan. Ok, regardez ça, putain j'ai sous l'eau, c'est ouf. Oh putain c'est complètement ouf. Pour l'instant on est pas très profond, donc c'est stylé. Ok, je vais vous filmer un petit peu ce qu'il y a devant, c'est parti. C'est un truc de ouf. Je suis actuellement dans un putain de scooter des mers sous-marin. C'est un truc de fou, regardez-moi ça. Mais c'est complètement dingue! Waouh! Là, on commence à prendre de l'altitude. Si on peut dire de l'altitude, parce que je sais pas vraiment si on peut appeler ça de l'altitude quand on est haut. Il y a quelle espèce de fossé devant, c'est absolument abusé. Regardez ça! Regardez-moi ça! Oh là là, c'est stylé de fou! Ça fait vraiment super peur! Ouais, je suis un petit peu en retard, excusez-moi madame! Ok, franchement, c'est vraiment super impressionnant. En fait, le truc qui me fait vraiment flipper, bizarrement, c'est le fait d'avoir une espèce de gouffre à droite qui descend dans les obscurités de l'océan. Et ça, vraiment, c'est assez flippant. Il y a quelques petits poissons qui sont totalement stylés. Est-ce que ce plan vidéo est beaucoup trop près de mon visage? On peut le dire. Ah, c'est génial. Franchement, c'est une expérience complètement dingue. Il y a la surface de l'eau qu'on voit ici. Et en bas, évidemment, le sol. C'est vraiment, vraiment stylé. Oh, il y a des poissons. Il y a des poissons. C'est une putain de tuerie ce qui se passe. Et je peux gueuler comme un fou. Personne ne m'entend. Ah, si, peut-être que ça sature un peu. Non mais regardez. Mais c'est génial. C'est terrifiant ce que je suis en train de voir. Regardez. Mais on va quand même pas passer entre ces piliers. Vous êtes complètement malade. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Oh non. Je suis en train de passer au milieu des piliers. Ça fait flipper. C'est tellement marrant. C'est complètement ouf. Ah, j'aime pas la pilier. Oh putain merde. Non, 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 non. Oh my god, j'ai failli me prendre la pilier.
complètement fou. C'est une des expériences les plus folles de ma vie. C'est complètement ouf. Oh là là, putain, j'ai tellement hâte de voir des putains de requins, sa mère. Là, en fait, il y a vraiment une putain de double sensation. La sensation d'être sous l'eau, de plonger, et la sensation de faire caca. Non, de voler. Quand je regarde le haut, j'ai l'impression d'être un sous-marin. Quand je regarde le bas, là, j'ai l'impression de voler. Donc voilà, quoi. Une journée normale. Dis donc, j'ai l'impression qu'ils m'ont filé le moins rapide des 4 scooters, là. Parce que j'ai quand même sacrément l'impression d'être le dernier. Si, vous voyez où il dit ? J'ai quand même vachement pas vite, quoi. Allez, maintenant, on va descendre jusqu'à 7 mètres. Il y a commencé à y avoir des poissons, regardez. Allez, c'est parti, on descend. Oh là là, c'est vraiment impressionnant, en vrai. Coucou, oui, je suis toujours là, je sais pas si vous me voyez bien. Non, là, je suis pas le malin, je suis clairement pas le malin, les gars. Y'a quoi ? Je crois que tout le monde est descendu, maintenant, on est à 7 mètres de profondeur. Et je suis dans un banc de poissons. C'est trop stylé. La mer est une poubelle et nous le découvrons ensemble. Alors, on le découvre, on est devant le fait accompli. La mer est une putain de poubelle. C'est extrêmement triste. Et oui, ça gâche un peu l'ambiance, mais il fallait que je vous le dise, la mer est dégueulasse. Jetons nos détritus à l'océan, ça fait plaisir. C'est faux. Putain, le plan que je suis en train de prendre fait vraiment très peur. Oh là là. Ah, je déteste ça. Ça me fout le vertige, mais sous l'eau, alors que normalement, dans la vraie vie, j'ai pas du tout le vertige. Il arrive un moment où on n'arrive plus forcément à décrire ce qu'on est en train de vivre tellement c'est fou. Eh bien, ce moment, c'est maintenant. Je suis devant un banc de poissons. Cet instant est magique. En fait, je vais vous dire un truc maintenant qu'on est dans cette bulle entre nous. J'ai toujours rêvé de faire une vidéo de plongée. Sauf que ce que je trouve dommage avec la plongée, c'est qu'on peut pas dire ce qu'on ressent en même temps qu'on le voit. Et du coup, ça peut déchier. Mais là, c'est nickel parce que je peux parler et voir ce qu'il y a autour de moi. C'est complètement génial. Regardez-moi ce banc de poisson, je suis en train de voler au-dessus d'un banc de poisson. C'est un moment magique. Vraiment, au niveau confort, il n'y a vraiment aucun problème. Je veux dire, à part quelques petits soucis de compression, décompression, d'oreille interne, c'est génial. Je peux rester 3 heures là-dedans, c'est parfait. Franchement, mais c'est fou, cette activité est folle. Moi, j'ai envie de faire des courses de ça. J'ai envie de faire un circuit sous-marin. Ah merde, j'ai perdu une oreille. Attends, parce que là, je suis tellement profond que je crois que j'ai trouvé un bout du Titanic là. Là, je me suis perdu, j'ai perdu les autres, c'est terrifiant. 5 minutes later. Attends, qui le dernier, c'est qui? C'est Maxime, toujours en train d'attendre Maxime. Je suis le casse-couille des vlogueurs qui fait que de crier dans sa bulle comme un con. Attends, on va traverser un banc de poissons là. Ça va être maintenant. Est-ce qu'ils vont s'écarter les petits poissons? Je ne sais pas, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, je ne sais pas. Attention, impasse avec le banc de poissons maintenant. Et vous l'avez rien vu, ils étaient là. Waouh! Oh là là, c'est fou! C'est tellement incroyable. Oh là là, c'est chaud, comment c'est beau! Non mais là, je suis vraiment dans un banc de poissons, mais c'est ouf! Ça fait dingue. J'ai perdu mes potes, ils sont encore en train de m'attendre là-bas. Hé, hey, on vient, on est dans le Nemo, tu sais. C'est complètement dingue, cette expérience est folle. C'est vraiment la plongée facile, la plongée pour tout le monde. La plongée sans les risques de la plongée. Franchement, c'est ouf, franchement, j'adore. Là, il est en train de regarder si j'ai encore assez d'oxygène. Bah, apparemment, non. Je sais pas ce qu'il fait, il est en train de faire la révision des 100 000. Hein. Mais attendez-moi, s'il vous plaît. J'ai l'impression que mon scooter est tombé en panne et qu'il y a quelqu'un qui le pousse. J'ai une impression, Ok, alors là, on est sur des petits coraux qui sont sur un pilier de ponton. Quand je les touche, eh ben, ils se barrent. Je ne sais pas du tout si c'est respectueux de la nature, mais on m'a dit de le faire. Hein. Je le fais. Et regardez, c'est marrant. Waouh. C'est ouf. Oh, c'est ouf. C'est dingue. Waouh, on est sur un oursin. Il est clairement en train de me niquer. C'est une espèce de ventouse. Ah, c'est dégueulasse. Il m'a absorbé la main, genre c'est horrible. Cet oursin était en train de me dévorer. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai senti me bouffer la main. On arrive dans un banc de poissons, c'est ouf. Waouh, c'est trop stylé. C'est terrifiant ce qui se passe. Oh la vache, putain c'est fou. Putain, il me défonce la main. Il est en train de me défoncer la main. Waouh, c'est dingue, putain, c'est dingue.
Bah je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. En tout cas, c'était vraiment une expérience de ouf. Et merci à je sais plus qui m'a proposé cette activité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si elle vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Over. Le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous a enjaillé, vous pouvez cliquer sur le bouton au milieu de votre écran avec votre doigt ou votre souris. Bisous.